Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Bébois. Cette semaine, je me fais un support en roulette pour ma découpe laser. Bien, alors pour l'assemblage du châssis, je vais faire quelque chose de tout simple. Ça va être un châssis style établi qui sera sur ses roulettes et qu'on pourra transporter. Alors, moi, je vais utiliser l'assemblage que j'ai fait pour mon établi. Donc, on détermine la section. Là, la section est un peu plus grosse pour que vous voyez bien. Mais moi, je vais prendre du chevron de 50 par 50. Ce qui va faire qu'il sera une section de 50 par 50. Et à la fin, ce tenon fera juste 25 par 25. À chaque fois, c'est la moitié. On fabrique des pièces comme ceci sur toute la hauteur du chevron, donc de 50 de haut. Ici, on fait un assemblage comme un assemblage mi-bois. Avec toute la longueur du chevron de 50, et ici, il restera que 25. Et après, ici, c'est juste de l'enlèvement de 25 par 25. L'assemblage, c'est quelque chose de tout simple. On vient tout coller. On va venir avec le chevron ici, qui sera un chevron, la partie excroissante qui vient vers l'intérieur du châssis. On pose celui-ci comme ceci. On pose ici celui-ci comme ceci. Et on vient visser ici et là. Avec deux vis, et ça y est, on aura tout cet ensemble. Donc là, je vais prendre quelques côtes et on dessine ça ensemble et ensuite on le fabrique. Donc là, moi, ici, je vais avoir un plateau. Donc c'est déjà le plateau où j'ai ma machine à découper qui est dessus. Je suis sur du 765 par 1050. Donc là, pour déterminer, ben je vais déterminer la longueur de mes chevrons. Par exemple, celui-ci qui va venir en bout, qui fera donc 1050, mais qui aura ici. Donc je rappelle, hein, la section, c'est du 50. Et ici, on aura l'usinage, donc ici, de 50 sur 25 de profond. Ensuite, on aura ici 765 moins les 50, 25-25, on est à 715. Et lui, ça fera que du 25, ici. Donc ça fois 4, ça fois 4. Et enfin, après, on aura la hauteur totale ici. Pour le pied. Donc ça, je vais regarder pour une hauteur convenable pour moi travailler. Souvent, je suis à 900... 895 en fait. La hauteur totale, moi je travaille avec 895. Donc comme un établi, hein, 890, 900. Voilà. Donc là, ça y est, j'ai toutes mes côtes. Je regarde ce que j'ai comme chevron et on va le fabriquer.
Bien, bon, ça y est, ce projet est enfin terminé. Comme vous avez pu voir, l'assemblage à mi-bois avec cette partie ici tenon qu'on laisse. Alors moi, j'ai fait ça à la scie sous table, mais si vous avez une scie à onglet, bah pareil, vous réglez la profondeur pour qu'elle aille dans ce sens-là, bien sûr, et vous venez faire tous vos usinages. Donc, je le rappelle, quelque chose de tout simple avec le tenon. Choisissez pour vos pieds, pareil, ce que vous souhaitez avoir à l'extérieur. À chaque fois, on va choisir la partie extérieure pour faire notre forme. Et ensuite, on vient ici assembler tout simplement le petit, ici, de ce côté-ci, et ici, le grand. Moi, souvent, ce que je préfère, c'est avoir la façade avec le grand, et je mets mes deux vis, et comme ça, c'est ce que vous voyez là en bas, c'est la façade. Donc là, vous voyez, ça fait un établi quand même que je peux grimper dessus, très costaud. Donc j'ai utilisé cet assemblage-là dans mon établi. Je vous mettrai le lien dans la description juste en dessous. Je l'ai utilisé aussi pour la fabrication du lit mezzanine pour les enfants. Franchement, c'est quelque chose que je maîtrise et que j'arrive bien à faire. Donc là, moi ici, ce n'est pas encore fini. Je ne sais pas si je ne vais pas fermer. Je vais voir, parce qu'il y a beaucoup de poussière dans l'atelier. Je vais voir si je ferme ou pas. Ça fera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Pareil pour l'aménagement en dessous. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Enfin, vous savez tout ce qu'il vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao!